Il y a un an, frère Raymond, Olaf, Stanislas, Tristan, Dominique Romain et Thomas-Marie, vous étiez déjà étendus face contre terre, les bras en croix. Comme aujourd'hui, vous demandiez la miséricorde de Dieu et celle de vos frères. Il y a un an, vous étant relevé, vous avez été revêtu de l'habit de l'ordre, signe de cette vie dominicaine que vous vouliez expérimenter. Nous ne vous en avons rien caché. Vous avez vu ce que nous sommes, notre histoire, ses ombres, ses lumières. Aujourd'hui, vous choisissez d'embrasser cette vie, de la faire vôtre. Par la profession des conseils évangéliques, vous allez devenir des religieux. Dans quelques minutes, vous allez vous engager par les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Aux yeux du monde, ça peut paraître un gâchis. Aux yeux du monde, ces vœux sont d'abord et avant tout des renoncements. Et on ne va pas se cacher, oui, ce sont des renoncements. Mais ils sont bien plus que cela. Par le vœu de pauvreté, vous renoncez à toute possession propre, vous engageant à tout mettre en commun avec vos frères. Nous ne vivons pas que d'amour et d'eau fraîche. Le vœu de pauvreté est alors un puissant rappel que chacun d'entre nous est responsable de la vie commune, jusque dans ses considérations matérielles. Par le vœu de chasteté, vous renoncez, et c'est le plus visible, au fait d'aimer et de se savoir aimé par une femme à laquelle on se donne totalement. Vous renoncez au fait d'aimer et de se savoir aimé par un enfant qui, au-delà de son adolescence, vous aurait dit sa gratitude. Il n'est pas pour autant question d'avoir le cœur sec. Ce vœu doit ouvrir à une nouvelle manière d'aimer, dans et par laquelle on se refuse à mettre la main sur toute personne, et même, vous le verrez plus tard, sur une charge qui vous est temporairement confiée. Enfin, le vœu de chasteté doit nous aider, vous aider, à aimer en vérité et non pas à vivre dans l'imaginaire. Par l'obéissance, vous vous engagez à subordonner votre volonté à celle d'un autre. Mais bien loin d'être une amputation de votre personnalité, le vœu d'obéissance affirme qu'on ne saurait être la mesure de sa propre vie. Ces vœux, chaque chrétien pourrait et devrait d'une certaine manière en vivre en esprit. Mais la différence, c'est que vous voulez en faire une règle de vie. Ce sont des moyens, les moyens dont vous voulez vous servir pour qu'ils deviennent les principes directeurs de votre existence et qu'ainsi ils ouvrent un espace à l'amour infini du Christ. Saint Paul le disait dans l'Épître aux Romains, le parfait accomplissement de la loi, et donc de la règle de vie que vous embrassez, c'est l'amour. C'est parce que vous voulez répondre à cet amour de Dieu que vous êtes là, que vous décidez de consacrer votre vie. Nous devons en être les messagers, et nous serons d'autant plus crédibles que nous essaierons vraiment d'en vivre. Les vœux ne sont rien s'ils ne nous conduisent pas à aimer et à aimer mieux. Pour cela, rappelez-vous chaque jour que vous êtes des pécheurs aimés et sauvés gratuitement. Développez une immense action de grâce et une vraie miséricorde. Les vœux que vous prononcez ne sont pas un achèvement, mais le début d'un chemin de sainteté. Et c'est pour ça que j'ai voulu que nous reprenions ce texte d'Isaïe. Rappelez-vous que celui qui n'a pas conscience de ses limites, de sa misère, de sa laideur, de la vieillesse de son cœur, ne peut demander, comme vous l'avez fait, la miséricorde de Dieu et des autres. Celui qui n'a pas besoin de miséricorde ne sera jamais saint. Il se prive
de ce que Dieu est venu donner au monde. Ouvrez votre cœur et votre vie au Rédempteur. Travaillez sans relâche en bon collaborateur de l'œuvre de la grâce. Et que le Seigneur achève en vous ce qu'il a commencé.